L'océan Viking, navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru 623 personnes en détresse lors de 15 sauvetages survenus dans les dernières 36 heures au sud-ouest de l'île italienne de Lampedusa, a annoncé vendredi l'ONG humanitaire basée à Marseille. Parmi ces migrants, l'ONG a identifié 146 mineurs non accompagnés et 15 mineurs accompagnés ainsi que deux femmes enceintes, a-t-elle précisé à l'AFP. N'ayant pas la capacité de transporter sur une longue distance tous les rescapés, une partie d'entre eux vont être débarqués dans la soirée vers Lampedusa et l'autre à Civita Vecchia. Port situé au nord-ouest de Rome, que le navire devrait atteindre d'ici le 14 ou 15 août, a indiqué la directrice adjointe des opérations Carla Melchi. Une grande partie des personnes rescapées sont originaires du Soudan, pays en guerre depuis près de 4 mois, mais également de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin ou encore du Bangladesh. L'océan Viking avait reçu jeudi l'instruction du Centre de coordination des secours italiens d'assister des cas de détresse au sud-ouest de Lampedusa, avait expliqué dans la journée SOS Méditerranée dans un communiqué. La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM. L'agence onusienne estime que depuis début 2023, 1848 migrants y ont disparu contre 1417 sur toute l'année 2022. L'océan Viking avait été retenu durant 10 jours en juillet par les autorités italiennes qui lui reprochaient des défaillances de sécurité. Mais il avait été autorisé à reprendre la mer le 21 juillet.